les filles, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, elle a pour thème maquillage simple pour tous les jours, pour le boulot, la fac, peu importe, pour sortir tous les jours de chez soi sans beaucoup de complications, sans beaucoup de matériel. On y va. Pour cela, vous aurez juste besoin de votre kit à sourcils, votre fond de teint liquide, votre fond de teint poudre, mascara, quoi d'autre? Et votre combinaison de lèvres nude. Donc, c'est une vidéo qui ne prend pas du temps. Le matin, vous le faites en 10-15 minutes par là. Et c'est parti. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Merci à toutes celles qui vont regarder la vidéo, toutes celles qui vont aimer. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Comme je vous disais, les sourcils sont déjà faits. Donc, je suppose que c'est la base pour tout le monde. Vous savez déjà faire les sourcils. Et comme c'est un maquillage assez rapide, simple pour tous les jours, comme je vous le disais à l'intro, on va simplement y aller avec la correction du teint, c'est-à-dire le fond de teint, le liquide. Hein. Moi, j'utilise celui de chez Beauty Blender. J'utilise celui de chez Fenty Beauty, la teinte 440. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc, sans plus tarder, on y va. Chez Carly Bye Bye, celle-là, je sais pas si vous voyez bien, et je vais utiliser une teinte, je sais pas si je dirais du nude, non, elle est, je vais utiliser cette teinte-là, voilà, parce que elle est, elle fait vraiment naturel en fait. Je vais juste l'appliquer comme vous voyez sur toute ma paupière, que ce soit interne ou externe, je vais légèrement, pas du tout beaucoup, pas beaucoup, légèrement. Voilà, comme ça. Et c'est tout. Je n'ajoute plus rien. Ensuite, je vais prendre mon mascara de chez Maybelline, celui-là. Je l'adore parce qu'il est assez volumineux. Voilà, je vais étirer mes cils naturels. Voilà. Je vais prendre mon Fenty Beauty, la poudre translucide. Je vais la prendre légèrement parce que, comme vous savez, je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Je vais juste mettre légèrement pour avoir un peu d'éclat au niveau de la zone T. Juste un peu, comme vous voyez sur la vidéo. Je vais appliquer légèrement. Légèrement, voilà, pardon. Comme ça. Légèrement, pas beaucoup. Faut vraiment pas en mettre une tonne comme quand vous faites le maquillage de sortie, quand vous faites un maquillage tout un maquillage voyant. Là, on est dans le thème maquillage simple, rapide pour aller au boulot tous les jours et pour. Ok, donc je vais juste prendre toujours ma palette de chez Carly. Voilà, je vais juste mettre au coin de l'œil, voyez. Légèrement comme ça, légèrement. C'est pour illuminer le regard, pour donner quelque chose de plus fun, plus cool en fait. Et ensuite, je vais prendre mon crayon de chez MAC, de Beat de chez MAC, et un rouge à lèvres nude. Je vais prendre celui de chez Deborah Milan. Nude, comme j'ai dit, il faut quelque chose de simple. Il faut, le thème, c'est être simple. Il faut un peu être naturel en fait. Il ne faut pas quelque chose de trop visible parce que tous les jours, on se maquille, on est visible et tout. Mais pour tous les jours, pour aller à l'université, pour aller au boulot, il faut ça. Donc, je vais faire juste un trait léger à la bouche. Léger, léger, léger. Pas beaucoup. Voilà. Et je vais prendre mon rouge à lèvres. Nude. Je vais arranger avec mon crayon. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre mon fixateur de chez Kiko. Celui-là. Ok. Voilà. C'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu et abonnez-vous, partagez, likez et laissez un petit commentaire. Je vous embrasse et vous souhaite une bonne journée. Au revoir, bisous.